Lui, je vous explique, il veut que peaufiner son bronzage. Il veut que battre tous les records de bronzage. Il veut rien savoir tous les matins, mais il a trop raison. Franchement, il a un teint incroyable. Tous les matins, il fait à peu près une heure de bronzage. Grand maximum 2 heures, mais là, ça devient trop. Ça devient trop. Et sinon, il fait une chaleur. Là, ça y est, vous voyez ce beau salon de jardin. C'est fini. On va plus pouvoir l'utiliser. Hein. Je le sens même le soir pour manger et tout. Franchement, c'est trop. Le barbecue, on peut en faire que le soir. Parce que vraiment, là, on a atteint les 40 degrés. La piscine. Je vous montre un peu comment ça se passe quand vous avez un rendez-vous ici médical. Ils vous donnent ce document. Donc, par exemple, moi, mon assurance, c'est Bupa. Bupa Global. Donc là, il y a toute ma séance de noter. Donc ça, c'est pour le remboursement que je dois toujours envoyer via une application. Ici, sur Dubaï, vous envoyez jamais rien par courrier. Il faut le savoir. Tout est par mail. En général, tout est via les applications. Et à savoir, en général, vous n'êtes pas obligé d'avancer l'argent pour vous faire rembourser. Il faut savoir que quand vous prenez une assurance ici aux Émirats, je parle en majorité, vous allez recevoir une liste avec directement tous les hôpitaux, toutes les cliniques, toute la médecine que vous pouvez utiliser qui est directement prise en charge. Mais en dehors de ça, si vous voulez aller voir des spécialistes qu'on vous a recommandés ou bien des hôpitaux qui ne sont pas forcément dans votre liste, vous devrez bien souvent avancer les frais et vous faire rembourser dans la semaine. Moi, c'est ce que je fais. Vous voyez, Anne-Laure Brossard, on me l'a recommandée. Elle n'était pas dans ma liste vu que c'est une Française. Eh bien, j'ai voulu aller chez elle et du coup, j'avance tout simplement, mais je serai immédiatement remboursée. Par contre, l'hôpital où j'ai accouché, tout a été directement pris en charge. Je n'ai jamais déboursé 1 €. Je vous ai pas dit, mais ma kiné m'a dit que je pouvais reprendre le sport. Je suis trop contente. Je peux reprendre le sport. Je suis trop contente. Elle m'a dit, tu vas doucement quand même. Genre, si tu fais du renforcement musculaire, admettons, tu mets pas du tout des charges lourdes. Tu vas step by step. Elle m'a dit niveau cardio, c'est bien de commencer par 15 minutes de cardio et non pas partir en mode déter avec 45 minutes, 1 heure. Non, pas du tout. En tout cas, je suis trop contente. Elle m'a dit c'est bien de faire 3 séances au même niveau. J'ai une tête de folle, hein. Désolée, je sors de ma séance avec elle. Elle m'a dit c'est bien de faire 3 séances au même, au même rythme, en gros, en douceur. Et une fois que j'ai fait ces 3 séances-là, je peux augmenter... le level. Hey, je suis trop contente. Je suis trop heureuse. Ça y est, je vais reprendre le sport, le cardio. Je vais pouvoir avoir l'impression de matcher le fait de faire du sport, me dépenser et faire attention à mon alimentation. Je trouve que c'est trop dur de faire attention à son alimentation quand tu fais pas de sport. Je sais pas vous, mais quand tu fais du sport, en fait, quand tu rentres de ta séance et tout, t'es déter en mode, tu sais que tu vas pas manger n'importe quoi dans ta journée. Que quand t'as pas de sport, tu dis, c'est pas grave, je verrai quand je vais reprendre le sport. Bref, là, du coup, c'est parti, boire mes 2 litres d'eau par jour, reprendre le sport, le cardio. Je sais pas si je vais me réinscrire direct à ma salle de sport ou je commence un petit peu à la maison vu qu'on a la salle avec le tapis de course, les petits poids et tout. Ou si je repars direct à la salle, bref, je vais voir. Je vais voir. En tout cas, là, je vais me faire donc mes 2 litres d'eau. En fait, pour me forcer, les filles, je vais pas boire ma bouteille. Je me connais, en fait, ça marche pas comme ça avec moi. Ça marche pas comme ça avec moi. Je ne veux plus de rétention d'eau. Je veux un body. Je veux retrouver un maximum mon body d'avant. Je sais qu'il faut 9 mois, mais j'ai envie de mettre tout en un body. Je veux retrouver un maximum mon body d'avant. Je sais qu'il faut 9 mois, mais j'ai envie de mettre tout en œuvre pour y aller le plus possible. Je vais pas vous mentir. Je vais pas vous mentir, les filles. Je suis motivée, déterminée. Alors, visuellement, très sincèrement, mon body, quand tu le vois, déshabillé, il est pas l'identique d'avant, mais franchement presque. Je vais pas mentir. Mon ventre, il est plat. Il est pas encore rentré à son max, mais il est plat. Au niveau de... Bref, je vais pas détailler mon corps, mais en gros, franchement, ça va, c'est ferme, c'est bien. Après, j'ai repris le Madero et ça y joue, même si j'ai fait que 3 séances. Bref, là où je vois qu'il y a encore quelque chose, bon, déjà, c'est l'élasticité de ma peau au niveau du ventre. On n'est pas sur... tu vois, quand je fais ça, c'est moelleux, hein, je vais pas mentir. Mes abdos, j'ai beau contracter à fond. Ah, là, après ma séance, ça commence à redevenir dur. Mais en tout cas, je suis à 2 mois et bientôt 2 semaines post-accouchement. Je n'ai pas...
je n'ai pas du tout retrouvé ma ceinture abdominale. Pas du tout. Mais là, j'avoue qu'aujourd'hui, je contracte à force de faire des exercices de respiration, d'expiration et tout avec la kiné. Ça joue énormément. Faites-le, franchement, c'est vraiment efficace. Et donc là, mon ventre, il commence. Désolée, la lumière, elle est écœurante avec le gros spot là-haut. Mon ventre, il commence à se recontracter. Ça fait vraiment plaisir parce que au toucher, c'était vraiment étrange. Genre, je contractais à fond et j'avais beau appuyer comme ça, c'était du flambi. Même sous contraction. Je savais pas que ça pouvait faire ça. Je pensais qu'il y avait un minimum de reste. Bon, il n'y avait plus de reste. Je vous le dis, les filles, il y avait zéro reste. Walou, rien. Le néant, le flambi. C'était tout ce qu'il y avait. Bref, donc ça, je le récupère, mais au niveau de la texture de la peau, elle n'est pas, voilà, pas méga tonique. Et le truc que je vois qui n'est pas du tout. Attention, cache notre bébé. Voilà. Je vois qu'on est venu kidnapper. Bref, au-dessus de mon genou, là par contre, j'ai grave de la rétention d'eau. J'ai grave de la rétention d'eau. Genre, si je regarde mes jambes du haut comme ça, c'est des poteaux. C'est des poteaux. Même si vous allez me dire, ouais, mais par exemple, tout à l'heure, j'étais en legging, mes jambes, on aurait cru qu'elles étaient fines. Mais les filles, si vous les voyez vraiment de près, on voit pas mon os de genou. C'est encore sous grave de la rétention d'eau. Et je sais pourquoi. C'est parce que je suis pas du tout assidue dans le fait de boire mes 2 litres d'eau, dans le fait de prendre du queue de cerise, par exemple, de chez Wanderlala, qui est méga efficace contre la rétention d'eau. Dès que je le bois, déjà, dès que je bois ma journée de rétention d'eau, les filles de queue de cerise, je vois directement que je fais moins de rétention d'eau. Que ce soit dans mon visage, il est plus fin. Mes cuisses, principalement, moi, c'est les cuisses et le visage. Et après 3 jours de queue de cerise, par exemple, vraiment, mon visage est carrément plus fin. Je le vois, mais direct, mes cuisses pareilles. Je me sens plus légère et tout. Bref, d'ailleurs, je vais m'en faire tout de suite. Donc, c'est bientôt l'été, les filles. Si vous voulez vous lancer avec moi le challenge ventre plat, vous allez voir tellement les résultats rapidement. C'est impressionnant avec l'été Wanderlala. Donc, tu commences dans ce challenge avec 7 jours intenses de Cure Express. Je vous l'ai déjà dit, il est laxatif. Donc, attention, vous organisez comme vous voulez. Si vous êtes à la maison, peu importe. À savoir que pour tout l'été Wanderlala, c'est 3 tasses par jour pour avoir l'effet. Donc, moi, personnellement, vous voyez le paquet, il est vide. Hein. Celui-là, il est vraiment vide. Moi, j'ai déjà fini. Enfin, presque fini. Celui-ci, je le commence à partir de 17h. Comme ça, je suis à la maison, je suis tranquille. Vous m'avez compris. Donc là, on va être là pour détoxifier à fond le body, le côlon, vraiment. Vous allez purger votre corps avec celui-ci. Vous allez éliminer les graisses, éliminer toutes les toxines. Ça, c'est de la bombe atomique. Ensuite, une fois qu'on a fait 7 jours, on enchaîne avec le queue de cerise. Alors là, on va être là pour traiter les ballonnements. Vraiment, les ballonnements. Si vous vous réveillez le matin, que vous avez le ventre rond, ballonné, vous ne comprenez pas pourquoi. Alors, vous n'avez pas mangé les filles, c'est que vous êtes ballonné. Il vous faut celui-ci. Donc, vous enchaînez avec le queue de cerise. D'ailleurs, il est autorisé pour les femmes enceintes et les femmes allaitantes. Et il est hyper puissant contre la rétention d'eau. Vous avez plusieurs saveurs, pêche, menthe, fruits exotiques. Vous verrez sur leur site. Franchement, moi, je vous conseille le menthe et le pêche, c'est mes favoris. Très important, le temps d'infusion, 10 à 12 minutes les filles, vous mettez votre thé, on n'en met pas une tonne, hein. Faut savoir qu'il est très économique, il va gonfler énormément. Moi je croyais hier encore te voir ressurgir de la poussière pour acclamer un matador. Non mais regardez-moi les assiettes qu'ils nous ont fait. Papa, tu vas réussir à tout manger ? Oui, je suis espagnol moi. Ah c'est vrai ! Hey, olé ! Olé ! Pas mal ! Donc là, qu'est-ce qu'on a papa dans l'assiette ? Bah là, on a du riz magnifique. Et là, la viande, je l'ai goûtée un peu là. Elle est fondante. Ouais, non mais franchement, les assiettes qu'ils nous ont fait, là c'est celui au ribs, là c'est celui au seafood. Incroyable, on va se régaler. On vient de rentrer, je me suis douchée, là je suis en pyjama. Je sais pas si vous aussi, mais moi, je vous l'ai déjà dit, je prends ma douche pour mon corps et mon visage, je le fais au lavabo, juste ici. Je sais pas pourquoi, mais si je lave pas mes cheveux
Eh bien, je vais pas laver mon visage sous la douche. Je vais le faire ou avant ou après, mais au lavabo. Avec une routine complètement différente. En ce moment, je suis à fond avec une routine coréenne là pour ma skincare. J'ai une peau magnifique, une peau incroyable. Bref. Sinon, je sais pas si vous le voyez, mais j'ai coupé ma frange rideau tout à l'heure. Je la coupe grave souvent. Et là, mes cheveux en ce moment, c'est n'importe quoi dans le sens où ils poussent trop vite. Je fais que de la couper. J'aime trop avoir une frange rideau courte. Vous me demandez souvent comment je la coiffe avec le gros séchoir Dyson, avec la grosse brosse. Je fais ça et elle se place trop bien, trop simple. Juste, il faut qu'elle soit assez courte, les filles. Vous voyez? Je la coupe, on va dire, à la mi-hauteur de mon nez. Ok? Vous voyez, si elle est lisse, elle arrive ouais, à peu près ouais, au niveau de mon nez, alors. À peu près là. Et quand tu la coiffes, elle tombe sur cette hauteur. Et je fais que de la couper puisque mes cheveux, ils poussent trop vite. Vous savez, je fais une à deux. Désolée pour les bruits. Je fais une à deux fois par semaine ça. Bon, maintenant, je carbure, je suis à deux fois par semaine. L'huile d'Arabie Saoudite, Afghani Oil. C'est n'importe quoi du coup. Moi, je l'utilise actuellement principalement pour... J'ai trop peur de la chute de cheveux, des hormones, comme je vous dis tout le temps. Pour l'instant, c'est pas arrivé. Je suis à deux mois et demi. Vous m'avez tout dit que ça arriverait vers les trois mois. Donc franchement, j'ai trop peur. Du coup, je fais grave des bains d'huile et j'en ai fait un hier. Et bah, en plus d'avoir l'effet qui stoppe la chute de cheveux, bref, moi là, à l'heure actuelle, c'est en mode pousse extrême. Et ma pousse, c'est n'importe quoi. J'ai les cheveux qui poussent de malade. Du coup, je coupe tout le temps ma frange rideau toute seule, ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc, même si c'est pas la raison du pourquoi j'utilise à l'heure actuelle cette huile là, il me reste plus beaucoup. Il me reste un fond. En tout cas, elle fait son taf de malade pour la pousse des cheveux. C'est impressionnant. Les filles, si vous voulez accélérer la pousse de vos cheveux, utilisez cette huile, je vous le dis direct. Rien à voir avec la pousse des cheveux, là. Mais c'est impressionnant comment je sens trop bon. Et je fais des mouvements. Je sens trop, 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 trop bon. Non, mais je sens trop, trop bon. La gamme bleue Rituals. Pour l'instant, j'ai mis que le gel douche. Là, je vais m'hydrater le corps avec la crème Rituals. Ensuite, je vais mettre le parfum Rituals que j'ai acheté. Je vais mettre toute la gamme Hammam dans mon lit ce soir. Ça va être n'importe quoi. Les draps, ils vont sentir le spa. Je chuchote parce que j'ai pas envie qu'ils se réveillent. Mais dites-vous, Souleymen, il fait dodo depuis 18h45. Et il est à l'heure actuelle 1h-20. Je suis choquée. En plus, il s'est endormi tout à l'heure. 1h avant de prendre son biberon. Ça veut dire là, il est en sèche en fait. Bébé, il s'est mis en jet tout seul. Mais je sais qu'il va se réveiller dans pas longtemps. Mais je suis trop والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. Le petit crabe, 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 le petit crabe. Le petit crabe, il prend cher un des bons matins. Je crois qu'il te regarde le crabe. Hein. Je crois qu'il te menace, mon bébé. Je crois qu'il te menace.